On a commencé par faire des premières lectures avec l'équipe, puis Théo, on s'est rencontré, et on a beaucoup discuté sur le scénario, les comédiens ont fait des retours, sur leurs personnages, sur l'histoire. L'homme du rêve, c'est un peu le père qui vient te voir derrière et qui essaie de te rappeler à l'ordre pour te sermonner sur toutes les choses qu'il faut que tu fasses ou auxquelles tu te dois d'obéir. Ouais, c'est ce magicien-là qui apparaît dans l'histoire et qui vient justement remettre Paul un peu sur la bonne route. Que pour Théophile, pour un premier film, disons sérieux, il a eu la chance déjà d'être produit, donc c'est cool d'avoir une équipe qui le suit, et c'est dans de bonnes conditions. Il a trouvé des comédiens qui se connaissent tous à peu près, donc déjà il y avait quelque chose de... l'histoire était déjà là. Voilà, je pense que ça peut que donner un bon résultat. Évidemment, il reste la post-prod, on a fait que la première moitié, mais moi je suis confiant là-dessus et j'espère qu'il y aura la suite pour faire la série. Théophile m'a appelé et j'ai remplacé Bastien Huguetto, qui est mon ami des Parasites, qu'on s'est rencontré dans La Maison, le film de François Ozon. Et c'est mon petit cadeau de Noël de la part de Bastien, parce qu'il ne pouvait plus faire le film parce qu'il avait d'autres choses à faire. Et Théophile m'a appelé en me proposant ce rôle, j'ai lu le scénario, je l'ai rappelé et puis c'était parti. Et puis ça fait plaisir, on a fait des belles rencontres. L'équipe est super sympa, vraiment c'est dans ce genre en fait de tournage que voilà, je suis contente d'être comédienne parce qu'on travaille, parce que tout le monde respecte son poste, sa place, mais qu'en même temps ça n'empêche pas que les gens soient hyper humains, soient hyper généreux. Le fait que ce soit une web-série, je trouve ça intéressant. Ce que j'aime bien dans la série, c'est que c'est un peu un travail sur la longue durée. Toutes les idées créatives, tous les choix, en fait, ils évoluent en permanence parce que le financement, on espère, aussi évolue et donc ça ouvre d'autres voies, d'autres possibilités. Et du coup, je trouve ça assez chouette. Et puis aussi, je trouve que ça défend une cause, voilà, l'environnement. C'est un peu ce qui préoccupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en ce moment. Et du coup, je trouve ça pas mal d'avoir en France,
un nouveau support avec la série pour toucher les jeunes et commencer à les sensibiliser un peu sur ce genre de questions, quoi. Je connaissais déjà Sam et Gab. Et donc du coup, bon, bah, déjà j'étais un peu en terrain conquis, j'étais un peu en famille, ça m'a rassuré. Et au-delà de tout ça, Théophile est quelqu'un d'adorable, toute l'équipe, toi aussi, il faut le dire, il est adorable. Non, mais c'est vrai, c'est con à dire parce qu'on l'entend souvent, ouais, il y avait une bonne ambiance au tournage, tout s'est bien passé. Non, mais pour une fois, bah, quand c'est vrai, je pense qu'on peut le dire aussi. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Ok, merci pour cette aventure, c'est une fin de tournage, merci. Oui. Sur le dernier set de la dernière tech, je ne serai pas tous les. Pas de méprise, que des one-shots. Est-ce que t'y crois dans ce rendez-vous où je verrai bleu, y'a de la passion dedans les yeux. Sur le plateau, y'a de la magie. Entre les prises, entre les pauses, sur GSM, ça fait la MAJ de recyclo. Pixel Game, le programme n'est pas obsolète. Tomate cerise dans le compost, peu de banane dans la sacoche et sous le bonnet, les idées vertes. J'ai l'épouvante dans le jardin, j'ai découvert l'homme du rêve. L'épouvantail n'est pas dosé, n'est pas de Gotham, mais fou le flip. Si tu ne recycles app, il te beau, t'auras le huc. Plus sérieusement, soyons légers, comme l'air pur, mais soyons sûrs que noir et jaune ne cessera pour les années à venir. Imagine les aléas de la vie future, faut que je mette mon plus beau masque à gaz sur la gueule avec un costard en téflon. Je vais à dîner romantique, on a éteint les chandelles, ça fait fondre le plastique de l'appareil respiratoire. Et au menu, y'a des gélules couleur ivoire, je mange des huîtres, la coquille est en 3D, le champagne en 8K, et sur le gâteau, je lui laisse la cerise en R. Finir sur belle note, sans texte complice pour se comprendre. Après les prises, viennent les au revoir avant que l'on s'équipe. Un grand merci à toute l'équipe, soyons universalistes, ce n'est pas utopiste. C'est bon, la nature, les animaux, la faune, la fleur, tout le lexique. L'humanité ne sombrera pas, il faut encore qu'elle ait la trique. Dans un monde plus juste, y'a pas de pesticides, y'a plus personne stérile, pas de bébé sans bras. Et puis l'amour parcourt les ondes, inconscient collectif en délire notissé. Comme sourire de Joconde de cette belle tismée. Je me marie à la terre, convertie à la mer, je vogue enfin dans l'air, je pars me mettre au vert. Je me marie à la terre, convertie à la mer, je vogue enfin dans l'air, je pars me mettre au vert. Game over. J'aime ce robinet. Je me donne envie. Je m'en ai mis plein la bouche.